aime tant de nouvelles là. Sous qui n'aime tant de paroles là. Non, qui n'aime tant de nouvelles là. Sous qui n'aime tant de paroles là. Bonjour tout le monde, jeudi c'est vendredi 13 juillet 2018. C'est ce qui est ma sortie, journal natif natal pour semaine là. Dans mes croyants, Chesley Jean-Baptiste, avec moi-même Fedia Sama. Bonjour Chesley. Bonjour Sama, bonjour tout le monde. Nouvelle natif natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natal. Quelques parmi points n'a pas pour nous développer à travers le journal natif natal là, pour matin vendredi 13 juillet 2018. Là. L'église Sainte-Anne-Port-au-Prince a organisé sauti 17 pour arriver 25 juillet 2018. Là, il y a une event spirituel pour marquer fête paroisse là, qui a fait 26 juillet 2018 sous thème Sainte-Anne rassemblée avec mon mari dans Jésus pour nous capable vivre kay papa. Ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre-Josué Agenor Kader, qui est après répondre à une question Radio Télé-Guinée, jeudi 12 juillet 2018, lundi. Toutes dispositions déjà prend pour préparer l'année académique 2018-2019, là, qu'a fait dans un contexte social, économique difficile. Plusieurs secteurs dans la vie nationale ont déploré des actes de violence qui sont enregistrés dans la région métropolitaine. C'est le cas pour le sénateur Niplan Denis Cadeau qui souhaitait Premier ministre prendre des décisions qui ont facilité la stabilité politique dans le pays. Alors que le secrétaire général conseil ministre Renal Libéris dit pouvoir exécutif là prend toute disposition pour gagner la paix dans le pays. Autorité locale dans la commune Carrefour des pouvoirs centrales là mettez moyen avec disposition yo pour répondre avec besoin population en jeudi 12 juillet 2018 là Kazek 9e section Bisoton Maxime Willy Kodaneza violence yo qui a conséquences sur situation sociale politique et économie yo. Dans le commencement nouvelle là nous pour aller dans UHM pour prévision météorologique yo. Et à 7h c'est pral information sportive yo avec prévision astrologique yo pour journée. Restez branchés pour savoir que diverses lots à fait essentiels journal l'on a tourné après pause là. Au tapement des changements, mes changements. Songez banque à faire qu'on est, les vignes à que nouveau plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça au tapement des comme possibilité à fonctionnalité, vous pouvez tout sous Songez Banking. Transactions change, transfert sous compte l'autre monde dans Songez Bank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge digicel avec Natcom. Service Western Union, voyez à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui baille business ou plus indépendance. Tout ça sous Songez Banking pour vous. Songez Bank comprend besoin et il travaille pour bas satisfaction avec une nouvelle plateforme Songez Banking. Gérer compte ou jongler, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Songez Bank, toujours bon côté. Radio Guinée, Fakou Guinée pour imiter Guinée. Si ou pas Guinée, même l'on a pu imiter Guinée ou pas j'aime qu'à Guinée. C'est seulement Guinée qui Guinée. Yo expérience natif natal, sans mélange, 100% haïtien. Li fait 6h avec 13 minutes. Yo l'autre fois, bonjour tout le monde, mes développements nouvelles. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Madame Shirley, René Saint-Victor, déjà en ligne ensemble avec nous depuis UHM pour parler nous de conditions temps pour matin vendredi 13 juillet 2018. Là. Bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Shirley, bonjour Fedia, bonjour Fernand ou même Café Malheur Technicien, auditeur Radio Guinée, moi saluer nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir une unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter au bulletin pour journée. Comme situation synoptique là hier dans Caraïbes là sous Atlantique là pour jeudi vendredi 13 juillet 2018 là nous gagnons un gros toto anticyclone qui chita sous Atlantique Noa lui-même lui facilite un écoulement d'air sec sous pays là et dans niveau bassin Caraïbes aujourd'hui là et situation ça lui-même lui pas faciliter activité la pluie sous pays là pendant 2 jours. Sous pays d'Haïti matin, nous levons avec soleil, nous avons gagné temps qui sec
n'a gagné brume, poussière, vent qui a soufflé fort, nuage yomène a développé après-midi à Kassouéa. Température maximale là, la vie récolte sur quelques départements dans le pays. A. Pendant la journée, on sortit 30 pourri de 36 degrés Celsius. Minimal la semaine dans la nuit, en moyenne, sorti 20 pourri de 24 degrés Celsius. Il y a possibilité pour nous quelques petits gouttes la pluie, c'est va grâce à chaleur journée, mais c'est surtout au niveau péninsule sud pays. Sous Port-au-Prince, Axon qui entoure le, c'est la même situation. Nous levons à soleil, temps, l'issec, n'a pas gagné brume. Vent qui souffle un petit jour fort tout, quelques passages nuageux dans l'après-midi à souhait. Température maximale à la brive jusqu'à 36 degrés Celsius. Sous Port-au-Prince pendant la journée et pendant la nuit, la tombe à 21 degrés Celsius. Si la pluie isolée, nous prévoyons ça sous Port-au-Prince après-midi à Kassouéa. Pour la mer, nous avons demandé à voilier au capitaine sur embarcation bois fouillé pour être très prudent dans leur traversée la mer dans le golfe de la Gonâve. Mais pour éviter mitan la mer zone côtière sud avec zone côtière nord. Soleil a pleuvé matin à 6h20, l'a couché à soya à 7h30, l'a levé encore demain samedi à 6h20 pour coucher à 7h30. C'est là nous mettons fin dans ce qui a sorti bulletin nous pour maintenant. Nous remercions chez Smith, Fedia, Fernand ou même Castanade Technique. Nous remercions tout auditeur Radio Guinée. Nous allons rendez-vous lundi si Dieu veut. Nous souhaitons passer une bonne journée vendredi, un excellent week-end sur Radio A. Bye bye. Merci, Madame Charlie René Saint-Victor. Même tout, nous souhaitons passer une bonne journée avec un agréable week-end en compagnie Radio A. Il fait 6h16. Nous allons démarrer avec information. Reconstruction l'église Sainte-Anne dans la commune Port-au-Prince avancée à grands pas. L'église Sainte-Anne écrasée dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Dans une interview, responsable accordé Radio Télé-Guinée jeudi 12 juillet 2018, curé l'église Sainte-Anne, révérend Père Joseph Dessieux-Désiré, salué tout partenaire qui contribuait pour faciliter reconstruction paroisse là. Travaux reconstruction l'église Sainte-Anne commencé en janvier. En janvier, nous fait pause première pierre. Pour nous arriver là, il y a un peu de travail et préalable qui fait. Hein? Travail de études de terrain, de sol, et puis topographique, études géologiques, et puis plans. Nous avons confié le projet à un cabinet d'ingénieurs, un cabinet Lescaut. Et ça prend un peu de temps pour faire le travail. Ça. Donc, depuis nous arrivons ici en 2010, notre travail pour reconstruire Sainte-Anne n'est pas de facile. Nous prenons à peu près 7 ans à faire des marches et adresser des correspondances à nos partenaires étrangers. Et puis eux-mêmes, ils répondent, ils voient des questionnaires pour répondre. Donc, ils prennent le temps. Et ce n'est qu'en 2016-2017 que fonds, nous commençons à avoir une réponse des organismes et fonds commencent à arriver. Ce n'est pas nous-mêmes. Clergé paroissial qui recevait Fonyo, c'est un organisme que la communauté internationale mettait en place, il y aurait les proches, c'est les mêmes qui gagnent pour faire gestion Fonyo. Et après toute étude fin faite, proches lançaient un appel d'offres à plusieurs firmes de la place. Ils ont invité nous dans une rencontre avec FIMSAYO, et puis proches ont eu un temps pour préparer le dossier. Les proches fin recevoir tout dossier, ils fin faire analyse, ils ont retenu trois firmes, parmi lesquelles firmes qui ont exécuté le projet là, ils ont le contracteur. Donc, et après ils fin fait toute mise en place, nous fait pose première pierre en janvier, donc le projet a commencé. Et ingénieur principal là, ingénieur Blo. Pour mettre nous que dans 20 mois, il a livré nous et l'église. Mais il dit nous, c'est possible si pas gagné, si pas gagné cas de force majeure, si pas gagné trouble politique, bon, ben nous fait qu'enregistrer une là. Donc il fait 2 ou 3 jours pas venir travailler. Donc ben, ça est capable et retarder, n'est-ce pas, et exécution projet. Mais si tout bagaille allait comme souhaité, non, il a fini dans moins de 20 mois. D'ici, il promet moins que, je vais me garantir, non, mais il promet moins que d'ici l'an prochain, 26 juillet de l'année prochaine, ça que t'as arrêté pour l'église a fini, hein, il a peu. Mais ça, il me d'avoir qui est en rapport avec la conjoncture,
Mais ça, je vous avoue, mais ça, il est capable comme tu as adressé la différents secteurs. D'abord, au pouvoir. Et pour pouvoir écouter le peuple, tendre le peuple, si vous avez dirigé au nom du peuple et pour le peuple, si le peuple n'est pas d'accord, il faut écouter. Et avant de prendre une série de décisions, il faut consulter le mandat. Il faut consulter le peuple. Et si vous avez fait ça, avant de prendre une grosse mesure, ça, qui la cause trouble dans le pays, trouble dans le pays, désordre dans le pays, catastrophe dans le pays. Si vous prenez le soin pour consulter des secteurs clés dans le pays, par exemple l'Église, puis ensuite les, toutes les forces vives de la nation, nous ne pouvons pas enregistrer, n'est-ce pas? Kachaboumbe, ça c'est pour le monde qui a dirigé, pour apprendre à coûter le peuple. Parce que ce n'est pas mettre, pas mettre peuple là, c'est lui-même qui a le mandat, apprendre à coûter. Et pas seulement écouter un dialogue de sourds, non? C'est que le peuple a parlé et puis analyser ce que le peuple a dit et puis pour faire, pour aller dans le sens intérêt du peuple. Quand on a invité, genre de situation ça. Et puis pour le peuple, mais ça, je m'en ai adressé à le peuple là, parce qu'il y a toujours un problème dans la société. La langue a toujours un compte. Il y a un problème dans la société, c'est qu'on prêche un dialogue. Ou quand utiliser l'autre moyen, l'eau épuisé la voie du dialogue, ça le prioritaire. Et même si le peuple a obligé, acculé pour l'obliger à lever campé, mais il y a des ordres, il y a des destructions, pas obligé d'arriver là. Des actes de vandalisme, destruction bien monde, destruction institution, ça il y a pas de place parce que là ça c'est bac n'a fait. Nous pas intérêt dans la situation nous y est là, nous c'est un pays qui est pauvre. Ou bien le pays le plus pauvre, et puis ça nous gagne déjà, le peu que nous gagnons, alors que nous sommes peuple qui a plongé tout en bas, étrangers pour étrangers, aider nous, et puis ça nous gagne, on a détruit. On saute côté, révérend Père Joseph Desieux Désiré. Sous Bopal, vicaire paroisse en long, Jean-Alfred Jean fait qu'on a une veine l'église l'an a déroulé sauti 17 pour rêver 25 juillet 2018 là, dans l'occasion fête paroisse l'an cap fête 26 juillet sous thème Sainte-Anne, rassemblez-nous avec Marie dans Jésus pour nous capables rêver caille papa. Révérend Père Jean-Alfred Jean invité chrétien catholique qui participer dans une veine l'an pour venir la prier grand-mère là. Une veine Sainte-Anne qui a commencé à partir du 17 juillet et qui a neuvaine a fini 25 et fête patronale là le 26. Alors Anéa, nous t'es tenté pour essayer d'être capable de mettre un petit barre en plus dans le 20 Saint-Anne. Alors nous avons déjà une présentation que curé paroisse a fait sous reconstruction paroisse. Alors nous avons que c'est un abri provisoire que nous y est après 12 janvier l'église pour qu'on fin sorti en bas abri provisoire là. Alors ouais comment espace un peu restreint donc nous voyons que quantité fidèle que nous avons accueilli l'année dernière et nous voyons que à cause de reconstruction qui ont déjà fermé espace là nous avons tenté ouais si nous que nous avons organisé une venue sur place Sainte-Anne mais nous venons gagner à cause de situation sociopolitique yo venons fait que nous obligés et bien quitter projet ça a tombé et avec un groupe fidèle tout qui passait et puis qui parle avec curé qui dit est-ce que nous capable risquer fidèle yo aller sur place là. Donc, nous coûter et nous choisir de retourner pour faire un événement bien dans l'espace côté que nous avons fait l'année dernière. Là. Alors, eh bien, année ça, son événement que nous avons organisé dans une conjoncture qui paraît un peu difficile, mais nous connaissons que ça peut permettre que nous événement on réussit, c'est présence fidèle. Yo. Si fidèle n'est pas venu, pas un événement. Et nous sommes sûrs qu'il est venu, donc il a gagné toute activité que nous avons fait. Yo. Alors pour le programme que nous gagnons pour 9 années, c'est que nous avons gagné pour 9 années, il y a deux messes. Il y a une messe qui a fait à 6 heures et une deuxième messe qui a fait à 5 heures. Mais avant la messe qui a fait à 5 heures, nous avons gagné animation, adoration, animation, louange mariale. Et après, nous avons tombé dans la messe. Et puis après la messe, nous avons gagné adoration eucharistique. Ce que nous toujours fait chaque année. Et année ça a tout. Nous recommandons que nous, espace agent nous dit ça, un peu restreint, nous n'avons pas gagné assez de parking pour que nous soyons capables d'accueillir fidèles. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas besoin de gagner souci pour ça parce que nous avons arrangé nous avec la mairie, avec concours la police qui va permettre que, eh bien, dans la rue Carbone qui bon place là, nous avons mis un espace qui est disponible pour être capable de parking machine et mettre lumière pour éclairer et nous avons gagné un agent intérimaire qui est là avec la police pour permettre que, eh bien, nous sans souci, nous sommes capables de venir dans nos événements sans aucune peur. Donc, son neuvaine qui est un peu spécial, mais nous croyons que nous allons arranger nous pour que fidèles qui viennent soient capables eh bien joindre un bon temps pour prier et sans souci, sans que eh bien ils pas gagné aucune crainte pour que ils viennent dans Sainte-Anne pour capable
participer en plein dans le neuvaine que nous avons organisé à Nessa. Pas oublier que l'église là pour inviter fidèles eux-mêmes pour rentrer dans toute activité que l'église a elle-même limité. Par Sainte-Anne, c'est un paroisse qui ancien 1870. Donc ça veut dire que son paroisse qui gagne en pile monde qui qu'on habitué vinn là-dedans. Son paroisse qui est très fréquenté. Mais nous connaissons qu'à cause de reconstruction, l'espace que nous vivons là qui n'est pas accueillant assez, fidèles ont été éparpillés. Mais pour année ça, nous invitons pour y venir. Parce que déjà, la reconstruction déjà a pas avancé. Mais au même temps, il faut qu'il n'y ait pas arrêté derrière. Parce que construire l'église, une belle l'église, et puis pas de monde qui vient là-dedans, pas de sens. Mais c'est construire l'église, c'est pour fidèles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il même temps, il continue à participer dans la reconstruction de l'église. Là. Et pour que au même temps, il soit capable de venir prendre place. Parce que le monde ne peut pas remplacer l'église. Tout le monde gagne place, donc chaque fidèle gagne place, donc yo même yo capable venir venir participer venir retourner rejoindre pratique qui était gagné bien longtemps dans paroisse Sainte-Anne lorsque eh bien 27 ans à privé et nous affluence mon depuis la veille yo tout commencé venir l'église à venir la prière donc l'église a l'ouvri pour yo et n'a tant yo tout en foule pour yo venir capable venir la prière ensemble avec nous et nous prend toute disposition justement pour garantie et sécurité et pour permettre que fidèles participent dans le vendredi dans ambiance de fraternité et de communauté. Eh bien, thème le vendredi ça c'est Sainte-Anne, rassemblez-nous avec Marie, non Jésus, pour nous capables de vivre avec Papa. Sainte-Anne, rassemblez-nous avec Marie, non Jésus, pour nous capables de vivre avec Papa. Voilà, c'était Révérend Père Jean-Alfred Jean, qui lui-même c'est vicaire paroisse Saint-Anne-Lan, qui invitait tout chrétien catholique à aller participer dans une veine qui a fait une occasion fête paroissiale et l'an qui a fait 26 juillet. Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6 heures après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6 heures, il y a expérience natif natale. Député circonscription Biladea Gershon Guérard a critiqué l'intervention qu'un agent de la douane a fait avec brutalité contre une série importateur. Député Biladea, qui a rencontré la presse jeudi 12 juillet, a souhaité la douane intervenue sans fausse côté dans l'opération Lyo. Le week-end dernier, il y a un autre événement qui passait en Nal que nous-mêmes nous prévoyons depuis passé deux ans et nous avons dénoncé qui s'est attaqué et incendie que post-contrôle la douane yo subi et nous cap constater yo incendié douane en bas mon cabrit et nous profiter pour nous féliciter mon belader qui était yo même décidé pour te même dormi dans bureau douane ça pour te cap protéger parce qu'on est ça qui gagne c'est pour yo lié et côté yo incendié douane en bas mon cabrit nous constater attaque qui fait sous douane mal passe et pillage qui fait tout c'est à partir de injustice que nous décon dénoncer que si importateur était toujours subi en bas mais certains agents douaniers et pour nous ta capable dire même politique nouvelle politique la douane dans tout et côté moun yo frustré parce que yo était toujours gain même traitement avec gros importateur yo côté en pile manger en pile produit rete à pourri dans douane ça yo et moun yo profiter de événement ça pour yo manifester colère par yo déjà que nous décon dit parce que nous étions toujours contents de nous étions toujours contents de dit que dans le pays il y a le ça qui arrivait que même j'ai déchouqué ma coûte nous arrivons le côté pour aller déchouquer la douane pour mode d'injustice ça et aujourd'hui nous sommes constatés mon yo dit que pendant qu'un gros problème gaz a été posé à yo profité pour dire non seulement c'est injustice que t'as fait yo, mais yo pas d'accord pour t'as continuer que ce gouvernement ça ou l'autre gouvernement pour toujours gagner un traitement à pas grand négio et on l'autre traitement pour petit importateur qui a fréquenté frontière qui gagne l'argent banque dans main yo douanier kembe machine yachi akob banque produit yachi akob banque ça va garder yo quitté yo pourri en bas mon cabrit yo quitté yo pourri mal passe et tout l'autre côté yo et événement ça nous pas qu'à quitter le passé de façon inaperçue pour ne pas dénoncer yo l'autre fois encore ça veut dire pour demander que gouvernement yo apprendre traiter tout le monde même gens. Si il y a un groupe monde qui a payé 100 000 gouttes pour un produit et même quantité à même produit que ti malaria pour pas faire payer 2 3 4 500 000 gouttes et nous a mettre tout le monde en garde pour ça ou pas continuer l'autre fois encore. C'était député circonscription Biladea Langer Chongirard.
Sénateur département Niplan Denis Kado, qui se dirige en plateforme politique Bouclier, déplore les actes violences qui enregistrés dans le pays dans le commencement week-end passé. Dans une rencontre avec la presse jeudi 12 juillet, sénateur Niplan Denis Kado demande au Premier ministre Jacques Guilafontan prendre une décision qui a facilité la stabilité tournée dans le pays. Nous estimons que le ministre est solidairement responsable à gouvernement. Par rapport à l'événement qui est passé le week-end dernier, vu que la population lui-même lui réagit sous question prix et sanction à pompe, nous dit que lui de bon ton pour que le Premier ministre ainsi que le gouvernement libère le président pour permettre que il y ait de l'autre négociation qui fait pour monter une nouvelle équipe qui est capable de prendre le destin pays en main. Nous c'est allié PHTK, mais nous étions quand même un parti qui est libre, qui est indépendant, qui est capable de prendre des décisions dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la population. Nous parlons avec le président, nous parlons de position, nous connaissons la position. Nous estimons que nous faisons travail par nous. Rester lui-même en tant que premier mandataire nation, capable de choisir entre sa nouvelle et sa lui-même livrée et responsabilité lui-même bien combien à lui. Au tape écouté, sénateur département Niplan, Denis Kado. L'autre information, président mouvement populaire des Saliniens, Jean-André Victor dénonce la violence qui a enregistré dans le mouvement protestation qui fait le week-end passé à notre pays. Dans une conférence pour la presse jeudi 12 juillet 2018, le président Mopodla, Jean-André Victor, plaidait en faveur d'une conférence nationale pour joindre une solution face à la crise que le pays a traversée. Mopod. A saluer tout le peuple haïtien. Nous prenons la parole aujourd'hui parce que le pays a traversé une crise qui est très profonde. Une crise qui a changé en pile bagaille dans le pays. Et peut-être ça, nous commençons par faire référence à ce qui s'est passé dans le week-end passé. Côté que nous avons enregistré gros crasé brisé dans le pays. Nous avons profité de l'occasion tout. Pour présenter sympathie, condoléances à toutes victimes. Nous regrettons en pile ce qui passé, mais nous avons profité de l'occasion pour nous dire Jean, nous recevoir un message que le peuple haïtien a nous. Un premier bagage qui sorti dans le message, c'est que en pile, nous avons insisté sur des dégâts matériels. Quelle que soit l'importance des dégâts matériels, que nous avons avec yeux, nous. Mais des dégâts, nous pas avec yeux, nous tout. Dégâts nous pas avec yeux nous, sac maré, code lombrique haïtien avec paysa. Et si code lombrique ça a cassé, c'est là ça n'a pas de problème. Donc, il y a un pile parole droite et gauche n'a pas tendé ces jours-ci, côté que y a menacé code lombrique pays. Et message là, c'est que nous-mêmes, faut nous insister sur bagaille qui pas matériel du tout, de façon que population les comprenne. Qui danger qui sous tête nous tous. C'est dans ce sens ça, n'a rappelé population actuellement dans pays ça, dans société pas nous, dans personnel politique nous gagne là, dans force économique et sociale nous gagne dans pays. On a joindre deux catégories monde. Gon première catégorie qui croit dans violence, gon deuxième catégorie qui pas croit dans violence. C'est la donne nous y qui croit pour faire changement. Durable en dans paysage, il faut que nous passions par ça nous relais conférence nationale souveraine. Parce que conférence nationale souveraine, c'est lui-même, justement, qui empêchait de rentrer dans la violence. Donc, l'homme nous refusait conférence nationale souveraine, sans ou pas qu'on ait peut-être ces violences qui ont encouragé en dans paysage, parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités. Il y a trop de contrebande, il y a trop de corruption, il y a trop d'abus, il y a trop de bagailles qui ont été disposées pour passer dans le pays. Donc, lorsque vous rejetez la conférence nationale souveraine, vous ouvrez la porte. Et c'est dans ce sens que nous avons fait appel à toute population, à toute force vivante dans le pays, pour nous dire. Il y a une pile parole, nous entendons des gens qui disent qu'ils ne veulent pas conférence nationale souveraine. Mais leur obtient des raisons à bail là ou pas fin comprendre très bien ça a dit parce que ça a demandé
il a demandé pour bailler conclusion conférence là alors que conférence là pour qu'on fait pas qu'à prendre conclusion donc faut une chita ensemble pour nous bâtir plan conférence là pour nous faire et le ça ou joindre réponse qu'on besoin c'est pas nous mêmes qui cabaille réponse là c'est moun acteur qui dans conférence là cabaille réponse là il y a monde qui pense tout conférence nationale souveraine l'a détruit idéologie dans pays là l'a détruit affaire classe sociale et que l'a détruit affaire c'est tout le monde qui pral chita ensemble donc il pote problème dans ce sens ça là encore c'est mal comprendre parce que conférence nationale souveraine non il pas écarté besoin la justice monde qui en bas code a toujours en bas code ou pas qu'à faire conférence nationale souveraine sans que ou pas rentrer dans justice. On saute côté président mouvement populaire des Saliniens, Jean-André Victor. 6h35 minutes, information va continuer à travers Journal Natif Natal sur Radio Guinée. Secrétaire général Conseil Ministre Rénal Luberis condamné Zak violence qui enregistré dans région métropolitaine là pendant week-end passé à dans une interview li accordé Radio Télé Guinée dans Palais National jeudi 12 juillet 2018 là Rénal Luberis souhaitait tout secteur dans société haïtienne là mettre tête ensemble pour permettre pays à prendre route développement. Secrétaire général Conseil ministre Rénal Luberis dit pouvoir en place là prendre mesures nécessaires pour créer un climat de stabilité dans le pays. Des gens de la société civile ou des organisations qui font des propositions ensemble en fait pour nous permettre non seulement que la situation ne soit pas reproduite, mais permettre que les gens qui ont la nécessité ou les gens qui sont victimes ont un meilleur accompagnement. C'est sûr que ça a gagné une incidence sur un certain nombre de gens qui étaient capables de envisager pour investir, mais nous étions confiants compte tenu de l'opportunité que le pays a toujours bail et que nous avons profité de l'opportunité à investir, c'est déjà c'est prendre des risques. Et c'est vrai que les gains des actes de blousage, donc le risque ne paraît plus élevé, mais nous étions confiants et nous avons fait en sorte que justement les conditions sont réunies pour nous être capables d'investir en toute sécurité. Donc, en ce qui a trait à le premier signal, c'est que c'est montrer clairement que Mounsayo n'est pas pour contre. Que le gouvernement entend et encadre ou accompagne. Et donc là, on travaille d'évaluation des dégâts et identification en fait de toutes les victimes en cours, de sorte que chaque cas capable de gagner un accompagnement spécifique. Donc ça qui est important, ça qui arrive dans tout pays, ça qui arrive des désastres, en fait des émeutes, ça arrive dans tous les pays du monde. Ça qui est important, c'est que le gouvernement est supposé camper, donc le pouvoir public est supposé là pour accompagner les gens qui sont victimes. Globalement, ça peut bien toucher tout pays, toucher tout secteur. Maintenant, il y a un pays qui craint que ça puisse paraître sous forme d'instabilité politique. Donc, qui savent qu'on peut faire pour permettre que la stabilité régne dans le pays? La stabilité politique dépend de la régularité institutionnelle, elle dépend de fonctionnement institutionnel. Donc aujourd'hui, l'institution a fonctionné de manière régulière, l'institution a fait travail, donc il n'y a pas d'instabilité politique. Il y a eu en fait des actes de violence, il y a eu des actes en fait d'émeute, mais aujourd'hui, nous n'avons pas dans une situation d'instabilité politique. Nous avons une conjoncture qui est préoccupante parce qu'il y a quelqu'un qui est victime, mais la stabilité politique est garantie en fait par les institutions qui sont en place. Il y a divers secteurs, population n'est pas seulement soulevée vu que le gaz devrait augmenter, vu que le gouvernement a déjà annoncé officiellement que le prix va augmenter. Début après tout le dérapage par des guerres retraits. Donc, il y a un monde qui fait comprendre, c'est parce que le prix gaz est apparu comme un coup d'eau qui est renversé vers l'an, vu que la population est vraiment dans une situation alarmante. Comment est-ce que ça? Il y a plusieurs facteurs d'analyse donc à prendre en considération. C'est sûr que gagner et monde qui doit bagarre la pas pour eux qui est dans grand goût, gagne monde qui dans chômage, donc c'est en réalité que nous héritons de ça, donc pas inventer mais gagne plus fort que du côté du gouvernement qui doit être fait
de sorte que yo capable accompagner moun sa yo pou arrive et au plus près de population pour capable accompagnement nécessaire pour nous passer période difficile parce que gien pi côté moun yon passé une période difficile en fait et, mais et c'est sûr que c'est pas uniquement en question de prix gaz là qui monté et c'est prix gaz là c'est et situation moun yo c'est des opportunités politiques conseil de moun la donne pour capable profiter pour les causer par yo qui mélanger qui bail et ça passe week-end là. Nous connaissons le pouvoir actuellement de gagner une initiative qui visait changer l'image du pays. Donc, nous sommes conscients et nous convaincus qu'il y a un pays, un travail d'infrastructure qui a fait à travers les pays, sur une forme ou une autre. Est-ce qu'on ne pense pas que ça a commencé à régler là? Est-ce qu'on ne pense pas qu'il est capable d'empiéter sur nous? Alors, on parle clair de l'initiative qui a fait un changement. Est-ce qu'on ne pense pas que ça a passé là, qu'il est capable d'empiéter sur nous à l'avenir? Le président déterminé pour mettre route dans le pays, pour le bail courant, pour le bail de l'eau potable, et pour me citer ça seulement. Ce sont des engagements de campagne forts et qui supposaient continuer. C'est sûr que dans le contexte de moins de ressources, action loi moins. Parce que qui dit nous pas ajuster prix produit pétrolier, ça veut dire en fait gagner 19 milliards de gouttes qui ne peuvent entrer dans la caisse d'État. 19 milliards de gouttes, ça, c'est 19 milliards qui devraient utiliser pour construire l'école. Nous avons besoin de 15 000 salles de classe en pays. Hein. Qui devraient utiliser pour faire santé et de formation professionnelle, pour faire des centres de santé. C'est et des manques à gagner qui ont gagné des conséquences sur la réalisation. Mais et détermination a toujours été et le président, ensemble avec le gouvernement, a fait le maximum et possible pour arriver à la population en satisfaction. Vu ça, on dit une question que vous tous soulevez. Est-ce que c'est seulement à travers le prix gaz que le gouvernement est capable de faire ce travail en faveur de l'opération? Et tes grands paresses fiscales qui instituent, pas oublier qu'ils sont et réajustement pour Gaza, ils sont loi date de 1995, donc le gouvernement a été fait, c'était juste appliquer la loi. Tes grands paresses fiscales qui fait que ils ont concentré et taxé sur les produits pétroliers, et puis après, on était et douanes, et ports, etc. Donc, qui fait que nous sommes fortement dépendants en fait, des produits pétroliers, en effet. Donc, maintenant, il faut essayer d'élargir l'assiette fiscale en entreprenant d'autres actions, mais pour l'instant, nous sommes fortement tributaires des produits pétroliers. Donc, après toute cette partie, les différents secteurs ont réclamé des portes de ministre Jacques Lafontaine au point que les séances d'interpellation nous rappellent. Donc, séance d'interpellation, c'est une interpellation en continu, une séance en continu, qui était en fait avant même l'événement week-end. Et donc, son procédure qui est supposée suivre pour lui, c'est sûr qu'il y a un monde qui m'a dit démission pour le ministre. On attend le Parlement fait et travaille. Donc, le Parlement, si c'est une interpellation, il est supposé solder soit par un vote de confiance ou un vote de censure. Donc, nous mettons d'argent pour la bonne marche du pays. Et pour la bonne marche du pays, et nous avons souhaité que chaque institution fait travailler. Dans le message adressé à la nation, le président a dit que nous pouvons parler pour nous. Donc, nous faisons un très chouette et qu'il souhaite demander que tout le monde entre la famille pour chaque institution pour travailler. Donc, nous-mêmes, nous avons un message quelconque à la population ancienne, pour la population pérennité. Et même ça qui a travaillé à la diaspora. Bon, ça fait en fait, la population a été votée, choisi un projet de société clair. Le président a fait exactement ça, le promettre dans la campagne-là. C'est sûr que il y a des gens qui ne peuvent pas aimer sa fête, et parce que on a dit sur le côté que l'on fait campagne, il promet, et puis ça promet de la salle. Le président sait exactement ça l'a fait. Donc, moi, je dis que j'aurais été confiant. Et les gens qui ont toujours appuyé le président Jovenel Moïse continuent à appuyer lui, parce que ça l'a fait au bon pour le pays, et demain, petit nous, avec petit nous, avec plus bien. Ou t'as écouté secrétaire général conseil ministre Renal Luberis qui t'a répondu question radio Téléguinée à propos conjoncture actuelle pays. On lui fait 6h à 44 minutes, n'a pas observé en pause. Depuis 25 ans, nous campons pour bâtir le pays à bon service. La référence, ma préférence, pour bon pays à. En tout
confiance, toute assurance, t'as prévu des filières. C'est une promesse d'avoir vos intérêts comme seul pour seul. En 25 ans, nous avons construit ensemble la première bande d'Haïti. Marche par marche, nous prenons le monde. D'abord, ça cache parce que nous tous côtés. C'est l'expérience qui fait nous pas tomber. La transparence, on continue à frapper. La meilleure banque d'Haïti, où il travaille ça. 25 ans de performance, 25 ans de leadership. Depuis nous faire route là ensemble, nous papiter. Même Gouden pour aller, même Gouden pour aller. Unibank, faisons route ensemble. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays a plus passé une vingtaine correspondant pour toute qualité nouvelle nationale plus passé une quinzaine journalistes reporters pour toute qualité nouvelle locale quel que soit côté nouvelle là depuis ces nouvelles ou attendez sous Radio Guinée Pigo garantit ou gain journaliste Radio Guinée yo pas fait nouvelle mais yo bonne nouvelle là Jean Lia fait l'autre monde tande nouvelles sous Radio Guinée le nouvelle nou yo 3h du matin nouvelle d'ouvanjou 6h du matin, nouvelle natif natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans bon timamit. 7h soir, nouvelle tout pays a en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays a. Depuis ces nouvelles, wap tandil sous Radio Guinée. Yon expérience natif natal. Li fait 6h avec 46 minutes et formation yo a continué sur Radio Guinée. Ministre éducation nationale la Pierre Josué Agenor Cadet dit aux dispositions déjà prend pour l'école yo relouvri 3 septembre 2018 l'an. Ministre Pierre Josué Agenor Cadet qui t'a répondre question Radio Télé Guinée jeudi 12 juillet 2018 l'an fait qu'on a des décisions qui prend pour résultat examen officiel yo publié avant ouverture l'école là. Dans le calendrier scolaire, l'école la prévoit pour l'ouvrir le 3 septembre. Donc 3 septembre, c'est la date qui prévoit pour l'école la ouvrir à Nessa. Nous tendez Timounio, candidat au Capalé, yo tout fait qu'on est que tout examen yo t'es à la portée yo, yo fait qu'on est que yo composé très très bien. Et seulement nous toujours dit, temps d'apprentissage là lui-même, lui influer sur résultat yo. Par exemple, nous connaissons un pays ça très souvent, pour ne pas dire toujours, pas grand année pour pas dans un petit bouleversement pour abattre Timoun dans la rue. Bien que nous-mêmes nous condamnons totalement, nous d'accord pour les revendications, enseignants les revendications par la faire passer dans le niveau de l'État. Mais nous pas tolérer nous-mêmes, et nous disons ça déjà, pour les gens qui acceptent de prendre les gens de l'école, mettez dans la rue. Parents qui ont confié à l'école, l'école là doit être la protection. Les parents qui ont mis dans l'école, ils vont mettre pour aller dans la rue, pour aller manifester. Donc, l'école, si enseignants les problèmes, pas la poser les problèmes, et l'État lui-même a pour obligation pour répondre à la revendication enseignants. Mais ce n'est pas les gens qui ont utilisé mettre dans la rue pour faire obéir. Donc nous-mêmes, en tant que responsables, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour résoudre le problème qui est dans le système. Mais nous ne sommes pas d'accord pour prendre Timounio comme tremplin. Et tout petit bagage dans le pays, ça, c'est l'école là qui est toujours victime. Nous sommes fonds baccalauréat là. Eh bien, nous on dit que chaque année, nous avons gardé dans le pays d'Haïti, l'école qu'on ouvrait, il y a beaucoup proclamé résultat. Session extraordinaire baccalauréat. Dans la planification de faire ça, nous dit que nous-mêmes, nous planifions nous de manière pour répondre, pour résoudre le problème ça. Année ça, qui s'est passé? Non seulement nous moderniser question examen l'État, nous baillons un examen national, parce que, il y a quelques années, chaque côté qu'on examen parle. Maintenant, l'Europe choisit un petit monde qui lauréat. Sous qui tu as choisi là? L'Europe a gagné même examen. Donc, année ça, nous dit, faut tout pays a gagné même examen. Et nous le faisons quand même. Maintenant, l'autre bagaille nous dit tout, nous dit que nous faisons calendrier. Par exemple, depuis mardi dernier, qui était 3 juillet, eh bien, nous commençons, nous démarrer avec correction 9e année. Il y a environ 700 correcteurs dans 9e année qui ont corrigé. Et année ça tout, nous prenons des précautions pour les gens qui ont corrigé, c'est les gens qui répondent à tous les critères honnêtes. Nous avons environ 1100 correcteurs dans le niveau baccalauréat, et je parle seulement pour le département de l'Ouest, pas pour l'autre département. Nous commençons avec correction baccalauréat depuis mercredi, qui est 4 juillet. Et hier, lui-même, nous démarrons avec correction NS4, qui est en pile et moun dans le bac traditionnel. Là. On a un petit échantillon de l'école qui a expérimenté le nouveau secondaire, qui est mais et aujourd'hui, dans l'année, nous parlons de 4e année, et pour l'autre école qui a fait rentrer.
Donc, il y a plus de monde dans le bac traditionnel. Là. Mais il faut que nous disions tout, et pour les gens qui attendent de là-haut, élèves, il y a une belle avancée qui fait. Bien que tu aies un mouvement qui t'ait bouleversé par le samedi avec le lundi, mais aujourd'hui, là, ça n'a pas tellement de répercussions sur nous, parce que nous faisons une bonne planification. Non seulement nous prenons soin de ça, nous te remettre journalistes, tout journaliste qui de, nous te font conférence de presse avec direction de Atpantal, côté remettre tout journaliste, liste moun kap koje dans baccalauréat. C'est moun kap fè kou nan philo, c'est moun ki normalien avec 5 ans d'expérience ap fè kou nan philo, ou bien moun nan universitaire avec plus passé 5 ans d'expérience ap fè kou nan philo. Donc problème ça résout et année ça tout pour nous capable sécuriser ti moun yo, candidat yo, nous vin avec un bagage encore. Nous vin avec un bagage qui relé superviseur, correcteur. Moun nan kap corrige ya, et bien dans chaque jury yo, gen un correcteur encadreur, un correcteur superviseur pour garder, pour contrôler est-ce que moun sa la bien corrigé. On ti moun kon pa passer dans baccalauréat peut-être un point manqué. Et pourtant c'est un correcteur qui fait négligence qui retire tout point sa pou li. Donc année ça dans tout jury yo, dans toute matière yo, nous gen des super correcteurs, des correcteurs encadreurs et c'est des moun qui expérimenté. Par exemple dans sens social là, gen des moun qui gen environ 30 ans à corriger, qui gen doctorat, qui gen maîtrise, et bien moun sa yo en vertu d'expérience et puis autorité tout gen dans milieu à tout et nous menant kèt sou yo yo prend dans philosophie gen sens social toute discipline et année ça nous fait ça maintenant dans nord-est dans nord-ouest avec dans département centre résultat 9 ans année presque fin prendre dans nord-ouest par exemple jodi a là c'est notre yo y a rentré dans centre yo déjà fait saisi dans semaine qui vient là nous allons commencer avec résultat 9 ans année pour département centre. Maintenant l'ouest même on connaît l'ouest même son gros morceau. L'ouest gagne presque 50% candidat ou dans qui c'est dans 9e année ou bien dans baccalauréat. Maintenant l'ouest a tout, on a travaillé sérieusement, nous font calendrier pour l'ouest. Quel que soit côté résultat après dans département n'a balil et nous allons commencer dès la semaine prochaine avec 9e année. Dans département centre tout, yo fin ni net avec correction baccalauréat. Yo fin avec 9e année qui fin faire saisi. Yo seulement va rentrer dans bunex ça pour venir faire bagaille finaliser. Maintenant dans nord-ouest tout, dans nord-est, c'est presque même situation. On parle avec directeur département nord-ouest là. Li fait me connaît, il a rentré notre job pour 9e année, mais pour correction baccalauréat dans weekend ça, li probable yo ka fin avec. Mais dans l'ouest même côté gen gomo soa, jam doulia, n'a travaillé sérieusement, nous t'ai raté 11 jours et demi, mais ça pas tellement agi sous planification que nous t'ai faire. Et nous te, qui planification le nous planifier que pour nous comme pour nous bail résultat yo dans l'ouest bien entendu pour à partir de semaine 23 juillet de manière à ce que nous faire reprise session extraordinaire le 6 août prochain. Bon, si nous faire le 6 août résultat prétend bail et puis laisse ça tout ça va venir arriver n'a prétend faire rentrer l'école là le 3 septembre sans danger. Au autre côté ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet. 6h52, l'OT formation Kazakh 9e section Bizoton, commune Carrefour, Maxime Willy, dans une interview li accordée Radio Téléguinée jeudi 12 juillet 2018, la réagit sous situation économique et politique paysan. Kazakh et Maxime Willy, dans l'occasion des ministres intérieurs, avoué yeux gardé Kazakh Yoki, pas qu'à répondre à la promesse qui a été faite dans l'élection. Faites-moi, Kamel, c'est un gros événement dans la commune Carrefour. Dans la semaine qui vient là, c'est un coup fait qui pral gagner mais jusqu'à maintenant nous t'ai écrit ministère là côté qui pour t'ai capable nous support pour nous t'ai capable faire fête ça vinn une grande chose mais c'est bien dommage jusqu'à maintenant li pou ko tout tard mais pou ko répondre nous et ou connaît les fêtes ça fait mon a sorti tout côté vinn dans pied saint faut que nous ta fait propreté faut nous faire visibilité pour nous capable dire Notre-Dame de Montcarmel bonne fête mais je dis à nous capable di nous pour quoi comment Montcarmel pour aller fêter Jean qu'on fête. On est Notre-Dame du Montcarmel il fête chaque 16 juillet si je ne m'abuse et nous déjà dans et 12 là et bien et préparation yo pour qu'on fête parce que nous n'en pile difficulté pour nous être capable et faire arrangement yo. Bon c'est ça que fait jeudi à la ouais nous en Amérique fou ou qu'on est comme nous disons nous toujours travaille de concert avec Meria et nous te vin côté magistrat pour nous connaître comment nous pour entreprendre bagaille nous vinn chita ensemble avec pour nous connaître comment bagaille ka fait même si ou connaît par rapport avec Jean conjoncture pays hier intérieur pour quoi ka di nous rien mais faut que nous vinn côté magistrat qui c'est premier citoyen et commune pour le dire nous qui ça nous ka fait ensemble avec tout d'abord nous connaît que dernier moment ça yo était vraiment difficile spécialement week-end dernier et Kazakh Maxime Willy ou même au soutien dans 9e section Bizoton et tout près la marine et comment ça t'est pour nous-mêmes dans tout pays
te gagné mobilisation et Carrefour te toujours été mobilisé sans qu'il pas de gagner des ordres dans Jean et la dans toute commune yo yo t'a fait écraser piller bagaille moun Carrefour pas de gagner ça yo parce que Carrefour forme de son commune qui très paisible et tout monde respecte moun là-dedans. Vous t'a pas écouté Kazek 9e section Bizoton commune Carrefour Maxime Willy qui t'a répondre question radio Téléguinée. De l'autre côté, Kazek, 7e section Lavalla, Jean-Baptiste Guito mandé à autorité concernée pour faire Kazek bénéficier frais allocation bureau. Présence nous dans mairie, c'est parce que nous travaillons en partenariat avec la mairie de Carrefour. Jour sur nous la journée, c'est tout le temps nous toujours passer pour nous faire visite pour nous voir qui ça Marissa gain en perspective, qui ça qui en cours. Parce que là où est l'état central ba nous do, yo ba nous vague, c'est la mairie qui dernier recours nous. pour nous venir porter visite pour nous voir qui si Paul Cabano n'a problème nous yo nous même n'a ba yon n'a voyé yon coup de chapeau pour gouvernement en général n'a dit gouvernement nous merci parce que la bien travaillé nous même Kazek Carrefour étant que mob Konaka coordination de Kazek Carrefour et nous remercie gouvernement parce que nous voyons la bien travaillé mais faut nous dire tout ministre qui allié et gouvernement fuck yo travail fuck yo solidaire avec gouvernement fuck faire des routes qui n'a meilleur fuck yo respecter parce que nous président sous travail c'est ministre nous pour ka comprendre nous dit gouvernement merci en pile parce qu'elle pensait avec Carrefour parce que Carrefour dans mi-temps 5 départements Carrefour sont central lié et pour l'autre département yo nous gouvernement râler yon grain en dedans Carrefour pour le mettre ministre intérieur. Même là nous pour qu'on joindre nous même nous vider de l'eau sous tête peuple là nous dit peuple attend parce que ministre nous en parle avec nous il dit nous pas besoin faire fort c'est ça de faire même là nous pas toucher nous rester soudés. C'était Guito Jean-Baptiste Kazek 7e section Laval. 6h56 minutes moment pour nous mettre en bout dans journal là pour vendredi 13 juillet 2018 là rappel titre. Nouvelle natif natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natal. Quelques parmi points nous arrivés développés à travers journal natif natal là, pour matin vendredi 13 juillet 2018 là, l'église Sainte-Anne Port-au-Prince a organisé sauti 17 pour arriver 25 juillet 2018 là, une neuvaine spirituelle pour marquer fête paroisse là qu'a fête 26 juillet sous thème Sainte-Anne, rassemblez-nous avec maman Marie dans Jésus pour nous capable river kay papa. Ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor Cadet dit toute disposition déjà prend pour l'école aurait l'ouvrir 3 septembre 2018 là. Plusieurs secteurs dans la vie nationale ont déploré les actes de violence qui ont enregistré dans la région métropolitaine. C'est cas pour le sénateur Niplan Denis Kado qui souhaitait premier ministre prendre décision cap faciliter stabilité politique non payant. Entre-temps, secrétaire général conseil ministre Renal Lubéris dit pouvoir exécutif prend toute disposition pour gagner la paix qui régnait non payant. C'est sous notre ça, nous mettons en bout dans la 5e sortie journal natif natal pour la semaine. Là, nous remercions pour écoute ou attention. Pendant la pénvite, restez branchés Radio Guinée, puisque tout à l'heure, nous prenons le tournée pour prévision astrologique et suivi de l'information sportive à travers matinée natif natal. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas la poule qui sans monde vle dit ni yo dit ni changer sans monde dit. Nous faut entendre monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journaliste nous yo pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est ou pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passé. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. Deden, ou kon nou bay, mte ak Digicel, mpa avek yo anko. Mano, mat si ou fe. Pou ki sa ou kite yo la? Ofe spesyal yo pa fin bon pou mwen mim. Oh, ofe yo pat bon pou ou? Ebyen, ekou liye ya. Mwen kounya, ma avek Digicel. Paske kounya, ofe yo se de bagay tet chaje. Yo genwe spesyal ilimite, bagay raje net.
Ou ap jwenn apèl DigiDigi ak 8 GB internet pou fè sa ou pipito ak yon lot 8 GB internet an plis pou sevi a pati 11 nan aswe, rive 6 nan matin pou 30 jou pou 1500 goud selman. Aktive li ak aplikasyon My Digicel la, ou swa fè étoile 509 10 jodi a. Ak Digicel, se ilimite net ale! EDH gen deux catégories moun kap utilize kouran li bay la. Yon ki paye bordwol chaque mois et ki pa kite dette monte sou li. On lot kap profite joui kouran sans payer EDH yon pias. Nan ki catégorie ou vleye, men konsekans pa paye kouran jwenn nan. EDH pa ka fè kòb li kont pou l'achete gaz pou santral yo mache et pi paye producteur privé yo. L'état bije dépense chaque année pou EDH plus passe 150 millions dollars vet ki représente 10 milliards goud. Industriel yo pa vle branche sou rezo a parce que détournement ligne yo la cause courant ap monte desann. EDH pa ka fè investissement sou rezo a parce que ou pa jam respecte date limite pou paye. Lò pa vle paye courant ou maintenant, conséquence la pi mal, non seulement pour vous, mais pour l'autre citoyen. Yo. Parce que l'agence ça qu'on fait l'État bije dépensé pour EDH là, empêcher l'État créer plus de travail, construire plus l'école, l'hôpital, route, pont et la trier. Citoyen, ou aimez pays ou t'as aimé un pays avancé, pour plus stimuler l'école, pour paysan produit plus manger, pour tout le monde joindre la soignaille, pour service pompier plus efficace, pour joindre plus de services, choisis bon catégorie. Payez EDH pour courant joindre. Respectez date limite pour payer. Comme ça, vous allez contribuer dans l'avancement pays ou dans aider mettre pays ou sur route progrès. EDH, la caillou. Mami, ou pas sorti matin, li presque 7 heures, oui. Tant moi non petit, on pas mettre tête moi. Faut me connait qui jan journée me bral passer et puis faut me prendre horoscope moi tout. Faut me connait qui moun bral rencontrer et puis gon bagaille de yo qui rele million. Faut me connait qui boule chance moi. Ah eh bien mami, au fond rêve hier soir, on pas faire aucun rêve. Chaque matin 7 heures à horoscope Guinée, me toujours prendre boule chance moi. Pas gen moun kap fait me quitter la caille moi avant 7 heures. Oh. Mettre caille me connait la force me sortir. Qu'a été causé ça?